Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, il est 6h15. Oui, je suis réveillée depuis 4h30 puisque Sam est parti à son premier jour de travail avec son papa. Voilà, voilà. Donc bien sûr, tout le mois, il travaille et tout le mois, c'est moi qui vais devoir me réveiller pour être sûr que les deux se lèvent. Donc autant vous dire que ce mois-ci, je vais être épuisée. Et voilà. Donc là, je vais faire mon teint parce que je dois filmer absolument. Il faut que je prenne de l'avance parce que après, chérie va carreler Ça fait un quart d'heure que j'attends pour ouvrir le vlog qu'elle se calme parce qu'ils sont déchaînés les deux petits. Qu'est-ce que je veux dire? Il va... alors attendez, je vais mettre ma page d'agenda pour avoir un peu plus de lumière. Je suis en train de regarder Je mange. Il va carreler devant mon bureau en fait. Le petit palier qu'on a à la sortie de la salle de bain. Vers la sortie de la salle de bain et l'entrée de mon bureau. Donc il va carreler là aussi pour faire la continuité vu qu'après il y a une petite marche et le palier des escaliers pour aller à la chambre et pour aller au deuxième étage, à l'étage des garçons. Et donc je ne pourrais pas aller dans mon bureau pendant ce temps-là, au moins pendant 24-48 heures, le temps qu'il qu'il coupe la porte déjà pour que je puisse fermer pour éviter d'avoir du bruit. Et que le carrelage soit bien collé et qu'il fasse les joints et tout ça. Donc je vais être un peu coincée. Donc je vais en profiter pour faire mon teint en même temps que je vous explique mon week-end. Marie, je teste enfin ce truc-là. Bon, ça fait un petit moment hein, maintenant, mais j'adore. C'est hyper pratique. J'ai mis ma base Chiglam dedans. Ça évite de mettre les doigts dans le pot. Et j'adore. Par contre là, elle a séché. Le petit bout, il a séché. C'est un petit bout tout sec. Donc voilà, voilà. Donc pour mon petit week-end, attendez, je prends mon carnet. J'ai pas mes lunettes, hein, mais... Donc, vendredi, une fois que je vous ai laissé, j'ai fait beaucoup de montage. Et j'ai joué, bien évidemment. Je suis à fond dans ce jeu. Et en alternance... Alors, chérie faisait la salle de bain. Il a fait... Je sais plus ce qu'il a fait vendredi... Ah, je ne sais plus ce qu'il a fait. Mais bon, ça avance bien. il a mis les étagères dans la douche. Il a monté les meubles ce week-end. Moi, j'ai déjà commencé un petit peu à ranger. Enfin, pas vraiment ranger, mais disons que les essuies que j'ai fait tourner ce week-end, bah, du coup, je les ai pliées différemment et je les ai mis... Ah oui, j'ai l'air d'un cul tout blanc, hein, mais vous inquiétez pas. C'est la base. Donc, j'ai rangé les essuies ce matin, là... Déjà dans l'armoire que j'ai lavé, je les ai pliées différemment parce que l'armoire, elles sont assez petites. Donc il faut juste que je trouve un autre système de pliage d'essuie. Il a installé le WC et comme moi, je n'ai pas arrêté la journée de vendredi et samedi. Et encore hier, j'ai fait beaucoup encore hier. Enfin, j'ai pas arrêté du week-end en fait. Du coup, je me suis chopé un début de tendinite vendredi. Mais comme samedi, j'ai fait tout mon ménage. Et ben, la tendinite, là j'ai pas mis mon attelle, mais je n'en peux plus, j'ai super mal. Je l'ai pas mise pour faire mon teint, mais je la porte depuis vendredi non-stop. Parce que j'ai beaucoup trop mal, quoi. Donc ça, c'était pour le vendredi. Le samedi, donc j'étais crevée parce que j'ai dormi que 3 heures. Je sais pas pourquoi. Je dors super mal en ce moment de nouveau. Pourtant, mes cachets fonctionnent, je sais qu'ils fonctionnent, mais je pense que je les prends beaucoup trop tard. Parce qu'en fait, je les prends avec mon cachet du soir quand j'ai fini de manger. Je prends mon cachet pour l'estomac, mon antidep, et du coup, je prends le cachet pour dormir. Et je pense que du coup, il fait beaucoup trop tard. Il faudrait que je m'habitue à le prendre avant le repas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'il agisse, qu'il ait le temps d'agir pour que je dorme plus tôt. Bon, hier, je suis montée à 10h30, hein. Quand je vous dis ça, mais bon, vous voyez, je suis réveillée depuis 4h30.
Mais en ce moment, j'ai un petit peu un regain d'énergie, donc j'en profite, je fais ce que j'ai à faire. Là, cette semaine, il faut absolument que je trie ma garde-robe. Je voulais le faire ce week-end, tant que je faisais des travaux en haut. Mais du coup, comme j'ai passé mon week-end à nettoyer en bas, bah, j'ai pas pu, j'ai pas eu le temps. Mais il faut absolument que je le fasse. J'arrête pas de commander des fringues, mais je sais plus les ranger. Mon armoire, j'ose même plus l'ouvrir, quoi. Tout se casse la gueule. Donc voilà. Mais je suis une grosse bordélique hein, bon, en général, mais alors dans ma garde-robe, ça a toujours été. Je me souviens que ma mère me gueulait dessus déjà quand j'étais gosse, pas ado. Parce que ma garde-robe, c'était un foutoir sans nom. Ah, mon anti-cerne est terminé. Après, on va se faire aussi une petite rotation make-up. Tiens, parce que ça fait longtemps que j'utilise les mêmes produits. Donc on va se faire un peu une petite rotation pour changer un peu mes blushs et tout ça. Donc j'ai dormi que 3 heures, j'ai fait mon ménage, j'ai reçu 2 gros colis Temu. Je vais vous filmer le haul juste après, vous l'aurez le 22, donc passe lundi ici, lundi prochain. Et j'attends encore presque la même quantité, mais vous verrez que j'ai encore une fois abusé sur une humeur. Vous n'avez pas de nouvelles, hein, mais j'ai encore abusé. Donc voilà, et donc chérie a monté les meubles, mais ah oui, il est rentré samedi, il a été acheté ce qu'il lui fallait pour monter les meubles, je crois, ou pour le WC, ou le l'évier, je ne sais plus. Ah, bref, et quand il est rentré, il me dit, ah, j'ai vu un tout petit bébé chaton dans la haie des appartements, là en dessous. Ah, je ne l'ai pas pris. Je dis, le pauvre, s'il se fait écraser et quoi, parce que si la rue, elle est tournée. Riley! Oh, merde, ça fait 1 heure qu'elle est comme ça. Et du coup, j'ai été voir, il y avait 2 petits bébés chatons dans la haie, là, qui est en train de manger dans les poubelles. Alors, je ne sais pas du tout si c'est des gens qui les ont mis là intentionnellement, si c'est des qui se sont sauvés, parce que c'est des qui crapahutent. Hein, donc, je ne sais pas du tout comment ils se sont retrouvés là. Mais avec Sam, on a passé 1 heure et demie à essayer de les attraper. Et pour finir, ils se sont sauvés. On n'a pas vu par où ils ont été, donc on ne les a pas retrouvés. Et il a été revoir hier, il n'était plus là. Donc, j'espère qu'ils ont trouver un refuge ou qu'ils sont rentrés chez eux, parce que voilà, ça m'inquiète, hein, vous connaissez. Et hier, donc en plus du ménage et des jeux, hein, et de mon jeu, j'ai fait le montage, je savais déjà plus, hein. J'ai fait le montage pour l'anniversaire de chérie, donc nous, samedi, on va chez mon beau-frère pour son anniversaire et celui de chérie, puisque chérie est née le 19 et mon beau-frère est né le 17, à 2 ans d'intervalle. Et du coup, on fait toujours les anniversaires en même temps. Économie, économie. Et du coup, ma belle-sœur m'a demandé de faire un montage photo pour ses deux frères, avec des vieilles photos. Alors, j'ai vu enfin. Ça va faire 20 ans que je suis avec mon mari. J'ai enfin vu des photos de lui bébé et tout petit garçon. Je n'en avais jamais vu. D'ailleurs, ça m'a toujours choqué que mes beaux-parents n'aient pas des photos d'eux petits. Alors, je ne vous raconte pas comment moi je me suis mariée. Hein. Et du coup, j'ai fait le montage là. Je l'ai fait sur tout le week-end en fait, parce qu'il fallait que je jongle pour le faire tant que chéri était en haut, pour pas qu'il voit, parce que pour lui faire la surprise. J'ai plus de vitamines. Et donc voilà, j'ai fait ça. Je l'ai mis en privé sur YouTube pour montrer le rendu à ma belle-sœur. Bon, là j'ai déjà supprimé puisqu'elle l'a vu. Donc là, je vais la mettre sur une clé USB pour la prendre avec samedi. Et alors, j'ai commandé. Enfin, je me suis payé. C'est pas vraiment une commande. Je suis tombée sur une pub Instagram pour du yoga sur chaise, pour des programmes de yoga sur chaise. Donc c'est vraiment, d'après ce que j'ai lu, c'est adapté vraiment pour les personnes âgées et les personnes comme moi, handicapées,
avec un handicap invisible, mais un handicap quand même. Et du coup, j'ai fait le premier jour, hier. Alors, c'était 10 minutes, je crois. Et ça va crescendo, quoi. Hein. Vous avez des petits exercices pour vous mettre dans le bain au début. Et plus vous avancez, plus c'est des exercices évolués. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce qu'il faut vraiment que je reperde du poids. Alors, je prends du poids à gogo, même si je reste à peu près stable. Hein. Mais je reprends quand même beaucoup de poids, ça se voit, hein, par rapport à l'année dernière, où j'étais stable pendant... ça fait combien de temps que je me suis fait opérer? 7 ans? 7 ou 8 ans? Et ça fait vraiment que un an que je reprends du poids. Alors, je pense que les cachets n'aident pas, l'inactivité, certes, n'aide pas non plus. Et le fait que j'ai... là, ça fait 15 jours, je mange que des pains au chocolat. Alors, je peux pas avoir des lubicènes, hein. Non, faut que ce soit des pains au chocolat. Avant, c'était les madeleines. Et alors, attention, hein, pas n'importe quelle madeleine. Les madeleines longues du Auchan, c'était les seules que je mangeais. Mais alors, qu'est-ce que je bouffais des madeleines? En fait, c'est mon repas de base, quoi. Il n'y a que le repas du soir que je change parce que je fais à manger. Mais comme je suis toute seule la journée, bah, je me fais pas à manger, voyez. Et il faut vraiment que je reprenne un rythme alimentaire plus sain, déjà. Et que je bouge un peu. Et là, il y avait vraiment... vous pouvez sélectionner. C'est pour... vous avez pour les muscles du dos, par exemple, si vous avez des problèmes de dos. Vous avez pour la perte de poids, pour le stress, pour tonifier. Donc voilà, je vais essayer ça. Alors, c'était une promo de 3 mois. Alors, c'est pas à vie. Je trouve que pour le prix que j'ai... Parce que j'ai payé 30 balles les 3 mois. Et après, c'est 66 balles pour les 3 mois suivants. Donc, je verrai. Hein. Mais je pense que ce que je vais faire... je vais suivre le programme pour vraiment comprendre les exercices et tout ça, voir l'évolution et compagnie. Et après, je pense que je vais enregistrer tous les petits exercices pour me les mettre à la suite et pas devoir repayer. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais tricher, quoi. Je vais frauder. Mais voilà, je trouve que c'est extrêmement cher, alors que bah, au jour d'aujourd'hui, enfin, non, j'aime pas dire cette expression-là, je sais pas pourquoi je la dis. On va couper. Je trouve ça extrêmement cher, alors que on vit quand même à une époque où presque toutes les applications et tout ça, on trouve tout en gratuit, mais j'ai pas trouvé hein, une application complète comme ça, gratuite. Sur YouTube, vous avez des exercices, ça c'est sûr. Mais là, c'est vraiment, c'est évolutif, c'est adapté, il calcule le programme suivant vos particularités et tout ça. Hein. Il demande même si vous avez des problèmes de santé, enfin pas de santé, mais physique, quoi. Par exemple, si vous avez des problèmes de genoux et de dos. Genre, moi, j'ai les deux. Hein. Enfin, de toute façon, moi, j'ai des problèmes dans le corps entier. Et voilà, donc je vais tester ça. Je vais peut-être pas vous montrer les exercices d'aujourd'hui parce que bah, j'ai pas beaucoup. Enfin, j'ai extrêmement beaucoup de choses à faire et ce soir j'ai la kiné. Donc là il faut que je bouge. Mais je pense que je le ferai après avoir filmé. Ouais, je pense que je le ferai après avoir filmé tant que je suis en forme et avant de manger un bout parce que j'ai faim en plus. Je me suis coupé du melon, j'avais acheté 4 melons, donc je me suis coupé du melon, comme ça je vais pouvoir bah, grignoter le melon quand j'ai faim pour déjeuner et tout ça, mon petit 4 heures, au lieu de bouffer des pains au chocolat. Là j'ai dit à ça, il faut que tu les manges, il faut que tu les manges, il faut que tu les manges. Et par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que bon là je suis dans ma passe sucrée de ouais, depuis, hein, c'est vraiment ça. Ça fait une heure, ça comme ça. Ils sont déchaînés. Prout, il est monté tellement il y en a.
Donc voilà, je testerai ça et on verra, hein, on verra l'évolution ensemble de toute façon. Moi je vais aller me faire un café, je vais aller filmer ce que j'ai filmé en espérant qu'elle ne vienne pas foutre le bordel dans le bureau. Heidi! Heidi! Stop! Ça marche pas, elle écoute rien. Voilà. Je vous reprendrai tout à l'heure quand Sam rentre de son boulot pour qu'il vous raconte sa petite journée. Voilà, bien sûr, je ne l'ai pas forcé. Donc voilà, comme ça, il nous fera le petit débrief ensemble de sa petite journée, de sa première journée de travail. Donc chérie a adapté ses horaires aux horaires de Sam pour faire le chauffeur, hein, évidemment, puisque Sam n'a pas encore le permis. Donc allez, je vous reprends tout à l'heure là parce que c'est juste invivable. Attends-toi. Je vous prends deux petites minutes au téléphone parce que j'ai oublié de vous dire un truc et là ma caméra recharge, donc je dois attendre que ça recharge un peu pour tourner le hall. Donc j'en profite pour me boire un bon café. Hier, Chéri a enfin été me chercher une frite. Ça fait 2 ans et demi que j'attendais cette foutue frite, que j'avais envie d'une frite et qu'on n'allait jamais en chercher. Voilà, on n'y va pas très souvent, la preuve. Ça faisait 2 ans et demi que j'attendais. Et je prends toujours une frite tartare, normalement une fumée chaude, mais bon, avec mes dents, pour pas que mon dentier saute, je voulais un ragoûzi. Donc, c'est des croquettes avec du vol au vent à l'intérieur. Et on a 2 friteries dans le coin qui sont les meilleures du coin. D'ailleurs, chez Brian, ça a été officiellement élu meilleure friterie de Wallonie. Et chez De Witt, qui est la plus populaire de chez nous parce que ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là. C'est transmis de mère en fils et compagnie. Donc voilà, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là. Et ils font de la tartare maison qui est divine. Les frites sont excellentes, ils sont sympas, le service est super rapide. Sauf que là, ben, Chéri, il a été d'abord chez Brian, il y avait trop de monde, donc il a dit, c'est rien, je vais chez De Witt. Il va chez De Witt, il y avait trop de monde à son goût, donc il va dans une autre friterie où il n'y avait personne. Mais pose-toi des questions, Coco, pourquoi il n'y a personne? Il nous a ramené les frites, c'était dégueulasse, les frites étaient dégueulasses, la tartare, c'était pas de la maison. Et du coup, il n'y avait pas de ragoûzi. Il m'a pris 2 croquettes de fromage. Les croquettes de fromage n'étaient pas croustillantes, elles étaient toutes molles. Limite, on aurait cru qu'il les avait cuits au micro-ondes. Et je dis, mais enfin, j'ai 2 ans et demi pour ça. Non, j'étais dégoûtée. Donc, du coup, j'ai toujours envie de ma bonne frite tartare que je n'aurai probablement jamais parce qu'il m'a dit, je ne vais plus jamais aux frites, il y a trop de monde. Ouais, t'as qu'à y aller en semaine quand il y a moins de monde. Bref, j'étais dégoûtée. Donc voilà, c'était pour vous raconter ça parce qu'il fallait que je vous partage ma déception. Allez, à tantôt. Mais gars, c'est mon croissant. Genre, je suis en train de. Il vient de rentrer du boulot, il est en train de manger son casse-dalle parce qu'il n'a pas mangé au boulot. Dégage! Alors raconte, comment ça a été? Bon, ça allait. T'as compris tout de suite? Ouais, bah en même temps, je suis resté jusque 13h avec le mec, quoi. Ah bah oui, bah de toute façon tu pouvais pas... Bah non, normalement j'étais censé le faire 2 heures avant, tout seul. Il n'y avait pas de machine. Ah, bah pareil, il avait dit que tu pouvais prendre son scan. Oui, mais c'est pas avec un scan que je vais pouvoir faire tout. Ah, et donc en gros, ça consiste en quoi le boulot? Ils t'ont expliqué quoi? Que je dois m'amuser à mettre des produits dans une palette, sur une palette, puis à la fermer avec du film plastique et aller la mettre près des camions, voilà. Voilà, tu prépares les palettes et t'es dans le truc d'alcool en plus, c'est ça? Soda, alcool et confiserie. Ah, tu vois de la confiserie toute la journée circuler. Putain, ça sent bon dans le rayon bonbon, dans le rayon chewing-gum. Ah bah ça va, ça t'a plu? Ouais, ça va. C'est un truc qui pourrait te plaire chaque année et tout ça? Ouais, on verra. Il pense au salaire, hein. Parce que là, tu vas bosser 1 mois, imagine-toi ton salaire à la fin. Et ça motive. Pense à ta voiture, à ton permis, à ta voiture. Arrête, on va croire que je suis forcé après. Ah oui, c'est vrai, pardon. Je te force pour tout, hein, mon pauvre petit Georginou. Hein. T'es un malheureux. Fais ta tête de... Fais le chapeauté. Bon, voilà. Attendez, je vous reprends dans l'autre sens. Donc voilà, pour sa petite journée de boulot. Il ne voudra pas parler beaucoup, mais il est épuisé.
Ça, il, en tout cas, il est rentré avec le sourire, donc c'est Je déjà suis en pas train de mal. défoncer mon casse-croûte. Il est en train de manger seulement maintenant son repas. Parce que monsieur gruge tout, il prend sa grande pause de 30 minutes à la fin de la journée, comme ça il finit 30 minutes plus tôt. J'ai entendu le père dans la voiture. En plus, bah c'est vachement intelligent, il a dû attendre son père dans la voiture. Tu sais pourquoi? On est monté récupérer mes badges. Du coup, il y a le mec qui s'occupe de nos voix, il fait. En soi, si tu veux, tu peux rester assis là. Je fais non, je veux sortir. Il y a le père qui me regarde pour aller fumer. Bah ouais. Bref, Il m'a fait tiens les clés. Allez hop. t'as fumé combien de clopes sur la journée du coup? Le nombre de pauses qu'il y avait. C'est-à-dire? Je sais plus. Je sais plus. Il t'en reste combien là? Comme ça, je suis quitte d'en faire demain. Il sait plus. Bref. Bon, allez, sur ce, nous, on switch de jour. Ah, je suis en train de défoncer le melon. Vous permettant de vous installer dans un état de détente. Prenez un moment pour respirer profondément. Relâchez toute tension dans votre corps et Alors, vous allez préparez-vous voir à la vous engager détente avec les consciemment dans votre chiens. Hein. pratique. Tout au Il long, est 7h36. suivez les conseils fournis dans la vidéo et l'audio, permettant ainsi au flux de vous conduire vers une expérience harmonieuse et revitalisante. Gardez le dos droit. Croisez vos bras sur votre poitrine et placez vos mains sur vos épaules. Sentez votre système nerveux central se détendre et répétez l'étreinte de l'autre côté. Assis sur la chaise, placez votre jambe gauche sur le côté à un angle de 90 degrés. Les pieds au sol. Écartez les bras sur les côtés. Respirez profondément en maintenant cette position. Revenez ensuite à la position de départ et répétez avec l'autre jambe. C'est pas évident avec ma chaise. C'est moche. Asseyez-vous sur la chaise, entrelacez vos mains et placez-les derrière votre tête. Ça, j'ai du mal. Rapprochez vos coudes en arrondissant le dos. Ensuite, écartez vos coudes sur les côtés et redressez le dos. Répétez 3 fois. Cette pierre, c'est quand je dois lever les bras. Gardez le dos droit, les jambes jointes. Placez-vous au bord de la chaise, les pieds écartés à la largeur des épaules. Saisissez vos mains dans votre dos. Profondément et amenez doucement vos bras vers l'arrière et vers le haut, en ouvrant la poitrine. Revenez en position de départ. Ce que je vous disais, la détente avec ces chiens. Travaillez les mains, c'est le pire. Asseyez-vous les pieds écartés, expirez et tournez votre côté gauche à l'endroit de la chaise, en pliant votre jambe gauche à un angle de 90 degrés. Votre genou doit toucher le sol. Tu rêves. De même à droite, et répétez l'exercice de chaque côté. Toucher le sol, jamais de la vie. Hein. J'ai déjà du mal à mettre les pieds par terre. Oh! Maintenez le dos droit. Amenez la jambe gauche vers la poitrine et maintenez la position. Redressez la jambe gauche et posez-la sur le talon en tirant les orteils vers vous. Maintenez la posture avec force et grâce et répétez avec l'autre jambe. Force et grâce.
Levez le bras droit et étirez-le vers la gauche, puis inclinez le torse vers la gauche. Alors, oh oui, c'est le bras gauche, hein, mais je fais en même temps. Et changez de côté et de bras. Faites quelque chose avec ces chiens. Yuki! Allez! Là, filez! Ils sont en train de me lécher les doigts. Ça fait du bien mes côtes. Ça fait mal à mes bras, ça fait du bien mes côtes. Gardez le dos droit. Écartez vos jambes en plaçant vos mains sur vos genoux. Inspirez et inclinez le torse vers le genou gauche, en tournant légèrement le torse vers la gauche. Maintenez la position quelques instants, puis tournez et inclinez le torse vers le genou droit. Le dos est toujours droit. Levez et redressez la jambe gauche en saisissant vos échejambiers avec les deux mains. Maintenez cette position. Répétez avec l'autre jambe et maintenez la posture avec force et grâce. Force et grâce. Je dois avoir la jambe tendue en me soutenant la cuisse. Et on sent, hein, ça tire dans la cuisse et dans les mollets. Je vais le refaire une fois. C'est fini! Voilà. Donc je suis obligée de le faire par l'application parce que sur le PC ça bug. Donc jour 3, j'ai fini, c'était 7 minutes, c'est ça, ou à peu près. Et demain, 6 minutes, corps entier. 7 minutes. Vous voyez, c'est des petits... Après ça augmente, hein. Après on passe à 8, 9, 10. 10, 10, je crois que c'est à chaque fois, non, 11, c'est moins de 15 minutes à chaque fois, c'est 11 le maximum jusqu'à maintenant sur 24 jours, elle tousse, sur 30 jours, ouais, c'est 11 maximum, 11 minutes maximum, donc ça prend pas énormément de temps, et franchement ça fait du bien, je le sens. Bon après maintenant j'ai super mal les épaules et les bras parce que ben, forcément c'est la partie la plus douloureuse pour moi. Par contre quand il y a, là je les ai pas eu aujourd'hui, mais quand il y a les étirements du cou, ça me fait du bien à la nuque. Donc là je vais aller prendre une bonne douche bien chaude pour bien conserver le fait que mes muscles soient un petit peu détendus et tout ça tout ça. Vous avez des exercices supplémentaires si vous voulez les faire. Franchement, pour l'instant, bon, ça fait que 3 jours, hein, c'est le 3e jour là. Hein, je ne suis pas déçu. Vu que c'est des petits moments sur la journée, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. L'application vous le rappelle à partir d'une certaine heure quand vous levez le faire. Donc vous ne risquez pas d'oublier. Et voilà. Et même à la limite, si vous oubliez un jour, vous faites les deux jours à la suite le lendemain, quoi. Mais voilà, moi j'ai le temps de le faire, vous avez vu, 6-7 minutes, c'est pas énorme comme exercice, quoi. Donc voilà. Oh, je me sens détendue. Par contre, j'ai froid. Hier, j'ai commencé un diamond painting, donc je vais le finir aujourd'hui, que je vous verrai, vous, 22, hein, dans le hall de Temu. Mais je vous le montrerai quand même, parce qu'il est trop beau. C'est sur plaque, hein. Aujourd'hui je reçois 2 commandes Temu. Ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir emballer le dernier cadeau pour Manon dans le swap, puisque le tout dernier je l'aurai pas à temps, mais je lui ai déjà montré ce que c'était. Donc voilà, et ce matin à 7h là, j'ai déjà Sam qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il était déjà démotivé, que... Il comprenait pas et tout. Bon, pourtant, vous avez vu, hein, hier, mais je pense que c'est parce qu'il... Voilà, c'est le veto, il aime pas ça. Donc, là, il vient de m'envoyer, ils vont le mettre à un autre poste. Donc, on va voir. Mais je lui ai dit, j'y fais pas le con. C'est le deuxième jour, quoi. C'est normal que tu saches pas tout.
Donc voilà, on verra bien, hein, écoutez. De toute façon, il a signé pour un mois, il fera son mois, hein, ça c'est un fait. Même s'il doit y aller avec les boulets aux pieds, il ira. Il sera content d'avoir la paye. Sinon, je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus quoi. Ouais, là, moi, je vais aller à la douche, après, je mangerai un petit peu de melon. Je voulais vous dire autre chose, hein. Je sais que je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus quoi. Allez, j'ai commencé la série Under the Dome. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Je suis à l'épisode 2, hein. J'ai commencé vraiment hier soir. Franchement, ça a l'air pas mal. On va voir ce que ça donne, l'intrigue et tout ça. Les personnages ont déjà l'air attachants, donc ça a l'air pas mal. Et en parallèle, j'arrête pas depuis, ça fait 3 jours maintenant, c'est le 3e jour aujourd'hui, j'en ai regardé encore quelques-uns ce matin là, sur les compétitions de cheerleader. Vous savez, comme il y a cheer sur Netflix, il n'y a pas eu la saison de 2023, je crois, il n'y en a pas eu cette année, quoi, en tout cas, ou enfin, du moins pas encore. Et j'adore cette série parce que c'est vraiment un sport que j'adore. J'ai toujours aimé ça depuis que je suis ado, de voir les pom-pom girls américaines. Et c'est de plus en plus poussé. Donc j'adore ça. Et là, il y a des trucs de malade. Donc voilà. Et j'ai déjà fait deux montages ce matin. J'en ai encore à faire. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est journée montage. En alternant à chaque fois d'autres trucs, hein. Là je vais aller à la douche, après il faut que je fasse quoi, vider mon lave-vaisselle, ça va, je l'ai fait hier soir, la cage des titis, j'ai fait hier soir, j'avais dit que je ferais sortir les chichous, je les ai pas fait sortir, ce sera pour demain, là ils dorment. J'aimerais bien commencer à trier ma garde-robe, j'aimerais bien aussi ranger les trucs dans les meubles de la salle de bain, voilà, donc j'ai du boulot par-dessus la tête. Plus que le temps que je n'ai et la force que je n'ai pour le faire, puisque au bout d'un moment, ben, je ne peux plus. Et comme j'ai beaucoup forcé ce week-end. Et ah oui, hier, ma kiné m'a dit pour la tendinite, donc là, ça va déjà vachement mieux. De la glace. Elle m'a dit soit je prends une poche de glace et je laisse poser, enfin, je mets la poche de glace pendant 10 à 15 minutes, soit je prends un glaçon et je masse pendant 1 à 2 minutes. Donc hier, j'ai posé. Je sais plus ce que je faisais, j'avais besoin que d'une main en fait. Bon, je regardais certainement la télé ou enfin quelque chose sur mon PC. Donc j'ai laissé poser ma main sur le bureau comme ça sur la poche de glace et ça va déjà vachement mieux. Je vais le refaire tantôt. Il faut que je le fasse un peu plus au-dessus là parce que j'ai encore mal ici. Mais déjà la partie ici, j'ai vachement moins mal. Donc voilà, je n'ai jamais pensé à mettre de la glace sur ma tendinite. Bien, c'est très intelligent. Et je me suis pété un ongle. Je sais pas en faisant quoi, mais je me suis pété un ongle. Non, Yuki, je vais me lever, je vais aller à la douche. D'accord. C'est faux ce qu'on m'écoute. Oui, ça, c'est son pompon. Tu vas tomber, espèce d'idiot. Il est con, ce chien. Mais il est con. Mais qu'est-ce qu'il est con. Oh, mon petit pépé. Oh, mon petit bébé. Alors, j'en ai un sur les genoux et une dans le dos. Vous ne le voyez pas, mais elle est dans mon dos. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, j'ai rien de plus à vous dire. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire avant de sombrer parce que je suis crevée. J'ai eu du mal à m'endormir hier soir. Je suis montée tard en plus parce que j'étais à fond sur mon diamond painting. Donc, je suis montée tard. Il était minuit. Donc, le réveil à 4h30, 5h, là, ça pique. Donc, moi, je vais faire ce que j'ai à faire petit à petit en attendant l'heure de la sieste. Là, je vais aller à la douche et manger déjà pour commencer. Merde. Déjà pour commencer. Ah oui, maman va aller à la douche. Parce qu'elle sent le couscous. Allez, on suit toujours. Alors, il est 9h. Et j'ai pas arrêté depuis ce matin. Je suis naze. Mais là, j'attends DJ. Elle vient dans une heure. J'ai fait mon ménage. J'ai été à la douche. J'ai séché mes cheveux. Il faudrait bien que je les lisse, mais là, j'ai la flemme. Je les lisserai demain si je dois filmer. Là, je suis en train de ranger un peu mon bordel. Et je vais commencer à ranger la salle de bain aussi, enfin les produits dans la salle de bain. Je vais aller vous montrer juste après. Donc là, je suis venue mettre ma licorne. Je ne sais pas si vous allez bien voir.
Voilà. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Et voilà. Hop, ça, je vais mettre là en attendant. Il faut vraiment que je range ce bureau aussi. C'est un foutoir sans nom. Et voilà. Je vous montre. Voilà, sur le banc, on va y passer tout de suite. Donc voilà, là, on sort de mon bureau. Et c'est ici encore que Chéri doit carreler. Qui est le petit. Là, on va vers le. Oui, encore du bordel. Hein. Là, on va vers les escaliers. Donc voilà, il reste, allez, trois carrelages à mettre pour que ce soit fini la salle de bain. Et il a donc monté le meuble. Voilà, ils sont trop beaux. Et le robinet n'est pas encore fait parce que il s'est trompé dans la taille de l'évacuation. Georges a mis des cheveux partout déjà. Et voilà mes beaux meubles. Donc, vous voyez, j'ai commencé. Ah, j'ai oublié les étiquettes là. Je les en ai pris après. J'ai commencé à ranger. Et coucou, hello. Il y a des travaux devant. J'ai mis le bac ici que j'ai reçu en partenariat avec Temu pour ranger ben, les rasoirs et tout ça, les brosses à dents. Là, on a le porte-serviette. Et donc, il a installé la toilette. Le dérouleur à PQ que je vous ai montré dans un hall. Et la douche, ben, vous l'avez déjà vu, sauf qu'il a rajouté les petites étagères là, de chez Action. Donc j'ai vraiment hâte que ce soit fini, entièrement fini. Il est trop beau hein, ce meuble, j'adore. J'ai bien choisi mon robinet aussi, c'est un cascade, mais j'ai pas encore pu voir ce que ça donnait parce que on peut pas le. Il l'a juste mis dessus pour faire une photo. Et voilà. Donc bah écoutez. Je vais déjà vous laisser là pour aujourd'hui. Il faudra que je donne un bon coup après partout, hein, sur les miroirs et la paroi de douche. Donc voilà. Ouais, là je vais. J'ai été piqué ici, je crois. Je vais faire ce que j'ai à faire. Et oui, j'ai déjà fait mon yoga ce matin avant d'aller à la douche. Je vous dis, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté. Donc là, je vais aller me détendre une petite heure, je pense, parce que je suis épuisée et que je pourrai aller à la sieste que quand DJ sera parti. Et voilà. Ah oui, pour Sam hier, ils l'ont changé de poste, ils l'ont mis à la cellule retour et ça lui plaît beaucoup, donc je suis contente. Il s'en sortait pas trop dans le dépôt. Heureusement que son père est haut placé, parce que sinon, je pense qu'il lui aurait dit de ne pas revenir, mais ils l'ont mis à la cellule dépôt. Retour, et ça a l'air de bien lui plaire, donc voilà, je suis contente pour lui, et Géry est très fier de lui. Voilà, donc bah, écoutez, sur ce, on switch. On switch toujours. Alors, il est 7 h. Et je viens de finir de tourner cette longue vidéo qui est un crash test, vous verrez. C'est le crash test Micheline. Ça fait un bon bout de temps que je vous dis que j'ai acheté les produits et que j'avais toujours pas testé. Ben, je les ai enfin testés. Voilà. Je rêve ou j'ai déjà des traces de bronzage, moi? Je suis pas sortie. Là, non, on dirait. C'est quand même pas en allant 5 minutes sortant de chez. Je ne sais pas. Bref. Pas grand chose à vous dire aujourd'hui. Si, beaucoup à vous dire. Ben, je vous reprends en bas. Pourquoi je vous le dis pas maintenant? C'est juste parce que je dois faire pipi et que je vais descendre me refaire un café parce que j'ai beaucoup parlé donc j'ai la gorge desséchée. Fumer une clope et je vous reprends pour vous expliquer. Pas de nouveau, y avoir du changement sur la chaîne. Désolée, mais voilà. Alors. Oui, petit changement sur ma chaîne à partir du 31 de ce mois-ci. J'ai discuté de l'algorithme YouTube avec Paula qui m'a donné quelques petits tuyaux et que je vais suivre. Donc attendez, j'arrête mes clapettes. Petit aparté à propos de Paula, pour ceux qui se posent des questions, oui, on se reparle. On se parlait avant que j'aie des histoires avec une certaine personne. Comme elle était amie avec cette personne, je me suis effacée pour pas faire d'embrouille.
Tout simplement parce que je trouvais pas ça correct. Elles étaient amies, nous on était juste des copinettes qui discutaient de temps en temps, sans plus. Et Paula est revenue me voir il y a quelques semaines pour s'excuser de ne pas m'avoir cru au sujet de cette personne. Et voilà, donc tout simplement. Moi, tout simplement, ben, j'ai eu mal au cœur pour elle. Je l'ai comprise hein, dès le départ. Voilà, c'était son amie, donc normal de prendre sa défense. Allez, je ne lui en tiens absolument pas rigueur. Et voilà, moi j'étais triste pour elle, tout simplement. Et j'ai essayé de la réconforter. Et depuis, on discute. Et le petit veut grimper sur mes genoux, alors elle l'attaque, quoi. Mais c'est un truc de fou. Et l'autre, il vient faire le gendarme. Non, pas maintenant, Luke, il descend. Riley, tais-toi. Donc voilà, tout simplement. Et du coup, ça nous a rapprochés. Et on rediscute comme avant, tout simplement. Voilà. Donc, elle m'a conseillé, parce qu'on parlait de mon algorithme, que mes vues faisaient vraiment le yo-yo. Je passe de 100 vues à 500-600. Enfin, voilà, c'est vraiment pas régulier. En discutant, en fait, elle me disait que comme mes vidéos make-up ne font absolument pas de vues, hein, je fais une centaine de vues par vidéo make-up, make-up, nail art et compagnie, que ça faussait mon algorithme en fait, et que c'est à cause de ça que j'avais tellement le yo-yo, puisque mes vues ne sont pas régulières en fait. Vous voyez, il vaudrait mieux que je fasse 300 ou 400 vues par vidéo plutôt qu'une fois 100, une fois 600. C'est pas pour l'algorithme, c'est pas super bon. Maintenant, sachant que je ne fais absolument pas de vues sur les make-up, hein, une centaine c'est vraiment que dalle par rapport à 5000 abonnés, du coup je vais faire que des vlogs. Donc le mercredi et le samedi, ça sera des vlogs. Le lundi, le vendredi et le dimanche, ça peut toujours. Ben, il va y avoir le retour des lives aussi bientôt, puisque je vais la salle de bain va enfin être finie, un de ces quatre. D'ici une ou deux semaines, grand max, donc on pourra reprendre les lives. Parce que ça me manque tout simplement, et les faire en bas, vous voyez qu'avec les chiens c'est un peu compliqué, ils font trop de bruit. Le soir, il y a Chéri qui est là qui joue ou qui regarde la télé, donc je peux pas le faire en bas, donc je dois attendre d'être vraiment tranquille dans mon bureau. Là, normalement, demain, Chéri va carreler, demain pour moi, hein, vendredi, Chéri va carreler la salle de bain. Donc ce week-end, elle devrait être terminée, et après, je serai tranquille, j'aurai de nouveau accès à mon bureau régulièrement, sans devoir lui dire il faut que je filme mes vidéos de la semaine, donc il faut que tu me fasses le passage, que tu vires tes outils, le carrelage et tout ça. Donc on va être tranquille, on va pouvoir reprendre les lives que je ferai les vendredis, je pense. Et donc les lundis, principalement, ça sera des hauls, hein, comme t'as. Des hauls, les favoris et tout ça. Et du coup, les vidéos make-up, j'en ferai plus du tout. Je ferai principalement des reels sur Instagram et TikTok, voilà. Hein, donc, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas. Mais par contre, je vais quand même garder une palette à make-up et essayer de vous en faire au moins une par semaine, enfin un make-up par semaine inclus dans un des deux vlogs. Maintenant, si j'y arrive, je mettrai dans chaque vlog, peut-être, je ne sais pas encore. Et pareil pour les vidéos en commun avec Manon, donc une palette à make-up, une palette de make-up qui est le deuxième mercredi du mois. Et le Disney Challenge qui est le dernier mercredi du mois, que je vous incorporerai donc dans les vlogs du mercredi. Voilà, comme ça fait la même date, la même heure que quand la vidéo sortait toute seule, sauf que là il y aura un vlog et vous pourrez passer ce passage-là si jamais ça ne vous intéresse pas, ou ne regarder que ce passage-là si les vlogs ne vous intéressent pas. Donc j'essaierai de calculer pour mettre un chapitrage pour les vidéos make-up en fait, vous voyez. Je vais pas m'amuser à faire un chapitrage par jour, mais juste pour la partie make-up ou nail art que je ferai aussi, voilà, des petits crash tests ou des trucs comme ça. Ce sera principalement du vlog et du coup ça sera du 7 jours sur 7, en sachant que ben voilà, je vais pas me prendre la tête non plus. S'il y a un jour où je suis trop occupée, où j'ai pas le temps de filmer, où je suis malade et tout ça, je vais pas me prendre la tête, je filmerai pas. Donc les vlogs ne feront plus une heure, oh, c'est pas vrai. Mais ils seront divisés en deux, comme vous pouvez très bien avoir un vlog de 15 minutes ou un quand même d'une heure sur la même semaine. Ça dépendra de ce que j'ai à vous montrer et tout ça. Mais je pense que vous êtes vraiment accro au vlog et du coup, moi c'est ce que je préfère tourner aussi.
Et je pourrais introduire de toute façon n'importe quelle autre vidéo dans un vlog. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, ça ne fait pas un gros changement. C'est juste que on partagera plus la semaine puisque vous aurez le week-end compris. Et voilà. Mais ça va commencer que le mercredi 31 avec le Disney Challenge du coup. Parce que là, j'ai mes vidéos de tournée jusqu'au 29. Sauf celle du 24 qui est le swap avec Manon. Et les deux vlogs, enfin le vlog d'aujourd'hui plus les deux qui vont arriver les deux samedis suivants. Puisque j'ai des vidéos programmées. Il se laisse aller de tout son poids sur mon bras. Donc voilà. Je ne sais pas si ça vous conviendra. Moi, je pense que ça me conviendra mieux aussi, déjà de base pour moi, parce que j'aime beaucoup tourner les vlogs, j'aime beaucoup être juste comme ça, en face à face avec vous. On se boit un petit café entre copines, copains. Vous voyez, c'est beaucoup plus agréable que de tourner une vidéo make-up où, à la longue, je ne sais plus quoi dire parce que. Tu vas me renverser mon café. Putain, il vient de me rebondir sur le bide. Parce que je vous dis tout le temps la même chose. Donc là, même à la limite, je peux les filmer et les mettre en musique si j'ai rien d'autre à dire. Et reparler juste après du rendu ensemble. Enfin, vous voyez, il y a toujours moyen de jongler. Et voilà. Et on verra si Paula avait raison par rapport à ses conseils par rapport à ma chaîne. Mais c'est vrai que je l'avais fait à Noël, faire deux vlogs par semaine, le mercredi et le dimanche. Là, ça sera le mercredi et le samedi. Mais je l'avais fait à Noël pendant le calendrier de l'Avent et ça m'avait bien plu aussi de vous prendre avec le week-end, même si y a des week-ends où je fous rien, quoi, vous voyez. Mais là, bon, on a deux week-ends hyper chargés. Malheureusement, vous ne les verrez pas. Ah! Mais voilà. Écoutez, dites-moi en commentaire si ça peut vous plaire autant que moi, ça me conviendrait. C'est vrai que je suis enthousiaste à l'idée de refaire deux vlogs par semaine comme j'avais fait à Noël, j'avais beaucoup aimé. Et voilà, tout simplement. Donc, encore du changement, oui. mais voilà, j'essaye de trouver vraiment ce qui me correspond le plus et ce qui peut m'aider aussi par rapport à l'algorithme et tout ça, pour essayer de gagner un peu en abonnés, en vues, parce que j'ai perdu pas mal en vues par rapport au début de l'année, par exemple. Et c'est vrai que j'avais déjà vu une vidéo qui parlait des... Il n'y a pas les Yuki. Qui parlait justement de ce problème avec les TikTok, avec les shorts, puisque c'est le même problème avec les shorts. En fait, vous pouvez passer d'un short qui va faire 100 vues à un qui va faire 10 000 vues. Hein. Enfin, moi, j'en ai jamais eu qui font 10 000 vues, mais c'est pour vous dire, c'est trop. C'est pas assez régulier, en fait. Et clairement, les vidéos make-up sont mortes sur YouTube, c'est mort. Ça ne fonctionne vraiment plus. Voilà, mais je vais continuer à faire des make-up principalement en réel sur Instagram. Et voilà, donc sur ce, vu que madame commence à foutre son bordel, les deux petits sont hyper motivés. Hein, c'est pas une vidéo. On switch deux jours. Alors, il est 8h. Et aujourd'hui, j'ai pas grand chose à vous raconter. Hier, on était aux courses avec Chérie. J'ai trié ma garde-robe. Bravo, moi! Enfin! Donc, je vous mets le avant-après. Vous allez voir que quand je vous disais que ça dégueulait, que ça débordait de partout et que j'osais plus rien prendre dedans, c'est pas pour rien. Mais j'ai réussi à tout trier, donc j'ai retiré un gros sac pour mettre au bac. Il faut que Chérie aille le déposer. Oui, j'ai un goûter entier là, qui se pointe. Et tu vas te cogner la tête au tiroir, toi. Et j'ai un grand panier de linge aussi que je dois faire trier à mes nièces quand elles viennent dimanche pour voir si elles veulent récupérer des trucs. Sinon, je pense que je les mettrai sur Vinted. Là, sur HS, j'ai déjà un gilet que je vais mettre parce que j'ai demandé à Manon si elle le voulait, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais le mettre sur Vinted. Et voilà, donc je suis contente parce que j'ai au moins réussi à faire ça. Ça faisait longtemps que je devais le faire. Je dois encore ranger ma commode. Hein. Mais on ne peut pas tout faire d'un coup. Hein. Voilà. Et la partie de chérie, je crois qu'elle ne sera jamais faite. Donc, au moins, c'est un gros pour en moins. Mais bon, dans quelques mois, même pas. Hein. Je pense que dans quelques semaines, ça sera de nouveau le foutoir. Hein.
Je ne sais pas tenir en ordre ma garde-robe, c'est un truc de dingue. Mais c'est un truc de dingue. Et c'est comme ça depuis que je suis gamine, hein. Ça a toujours été. Mais bon, voilà, au moins c'est fait. Ce week-end, je vais peut-être essayer de faire la commode. Parce que j'ai plus de place dans mes tiroirs. Alors que c'est censé être juste les sous-vêtements. Mais enfin, moi j'ai qu'un tiroir. Oui, j'ai un tiroir. Chérie en a deux. Il y en a un avec ses t-shirts. Non, il n'y en a qu'un. Il y en a un avec ses t-shirts et l'autre c'est du bordel. Mais en fait, comme tout ne rentrait plus dans mon armoire, on tapait tout là au-dessus. Donc j'ai tout qui. La commode elle est remplie de linge. C'est une montagne de linge et de bordel. Donc je vais essayer de faire ça peut-être ce week-end, si je suis motivée. Et après, il faudra que j'attaque le rangement de mon bureau. Et là, ça ne va pas être non plus un petit chantier. Je suis épuisée. Donc hier, on a été aux courses avec Chéri. Je me suis repris mes brûle-graisse de chez Juvamine. Je me suis acheté une paire de claquettes. Comme ça, de plage. Ils appellent ça des claquettes d'eau. Pour mettre à la maison, pour pas avoir mes grosses pantoufles, parce que j'avais chaud les pieds. On a acheté de la bouffe, on en avait pour 200 balles. Et hier, j'ai commandé aussi, donc je reçois aujourd'hui, j'ai trouvé ma crème de sang là, pour les cheveux que j'avais trouvé chez Action. Je l'ai trouvée sur Amazon à 5 euros pièce, donc j'en ai pris 5 d'un coup, 4 ou 5, je ne sais plus. Comme ça, j'ai mon stock, et parce que j'adore cette crème-là. Hier, j'ai commandé. Attendez, j'enlève mes papoufles. Un fauteuil à bascule sur Temu. J'avais envie. Il me faisait de l'œil depuis quelques semaines là, et puis là je me suis dit ouh, allez, je me le commande. Comme ça, je le mettrai ici devant l'étagère. Pour quand moi je veux. Arrête de me lécher. Pour quand moi je veux me détendre un peu ou quand j'ai mal la tête ou voilà. Mais tout ça, c'est des produits qui arrivent par voie terrestre, donc c'est beaucoup plus long. J'attends par voie terrestre, du coup j'attends mes magnifiques lampes. J'ai trop hâte de vous les montrer. J'attends les cadres aimantés pour les diamond painting, le fauteuil et ma petite table d'appoint que j'ai commandée pour mettre ici au salon aussi. Pour quand si je veux faire du diamond painting dessus ou chérie travailler de son PC du travail ou voilà dessiner, enfin colorier ou n'importe quoi. C'est une petite table à roulettes qu'on peut. Et même quand moi je fais quelque chose ici, je peux la mettre ici à côté de moi pour poser mon bordel dessus au fur et à mesure. Donc l'autre, si je parle, ça l'énerve parce que je ne caresse pas, donc il essaye de choper ma main. Petit concon. Et voilà, donc là il est 8h, j'ai déjà fait mon lave-vaisselle, j'ai fait un montage d'un réel, j'ai fait mon yoga, j'ai rangé ma table. Je viens de déjeuner, je me suis fait un petit toast avec un œuf sur le plat et quelques morceaux de pastèque, c'était bien bon. J'ai plein de choses à faire encore aujourd'hui, mais je suis crevée, je suis montée tard, je suis montée, il était minuit, et j'ai eu du mal à m'endormir. Riley m'a réveillée à 2h15. Pourquoi elle m'a réveillée, elle? Ah non, c'est Yuki cette fois-ci. Il est tombé du lit, c'est idiot. Et j'ai dû me lever à 5h pour réveiller mes hommes. Donc là, j'hésite entre aller me coucher maintenant. Mais bon, dans une demi-heure, il faut donner à manger au chien. Donc il va venir me réveiller. Attendre le facteur et aller me coucher après. Voilà les deux options que j'ai. Parce qu'après, j'ai un colis Temu qui arrive aussi. Où il n'y a pas grand-chose, il n'y a que trois articles dedans. Logiquement, il pourrait passer dans la boîte aux lettres, mais je ne suis pas sûr qu'il va le mettre dedans. Et Temu, on n'a jamais d'heure de livraison. Le facteur, je sais que c'est vers 10h30. Et le facteur, c'est clair que ça ne rentre pas dans la boîte aux lettres. Donc je pense que je vais essayer de tenir jusqu'à ce que le facteur y passe et aller me coucher après. Mais Yuki, t'es chiant, allez, descend. Et j'avance bien sur mon painting pour les chiottes. Voilà, j'ai fait tout ça. Ça fera trop beau sur ma porte des WC, je vous jure. Et vous avez vu, j'ai coupé tout le tour en fait pour qu'il soit. Pour pas avoir les morceaux blancs là, le carré blanc.
Donc voilà, et je viens d'attaquer la saison 3 de Under the Dome, et j'adore cette série. Dommage que ça s'est arrêté sur la saison 3. Mais j'ai hâte d'avoir quelques réponses quand même, même si je m'auto-spoil hein, régulièrement. Quand je me pose trop la même question, il faut que j'aille voir sur internet parce que sinon je deviens folle. Mais il n'y a pas toujours toutes les réponses, quoi. Donc voilà. Mais je crois que dans la saison 3, il y a plus de réponses que sur les deux premières saisons. Mais j'aime beaucoup. C'est un peu dans le genre de From. From, j'ai beaucoup aimé. J'attends la saison 3 avec impatience aussi. Et c'est un peu dans le même genre d'histoire, quoi, on va dire. C'est pas du tout la même chose, mais c'est un peu une ville isolée comme ça, pour pète ou trotte. Et j'aime beaucoup. Voilà. Bon. Allez, bah écoutez, sur ce, moi j'ai plus rien à vous dire pour ce vlog. N'oubliez pas qu'à partir du 31, du mercredi 31, il y aura deux vlogs par semaine, donc le mercredi et le samedi. Et on verra ce que ça donne. Mais je pense que ce sera plus fun à regarder et plus fun à filmer aussi. Et voilà, tout simplement. J'ai hâte que ça commence pour voir ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire déjà là. Et j'ai les autres jours après pour poster bah, des hauls, des crash tests, des choses comme ça. Mais principalement des hauls, hein, évidemment. Et voilà. Bah écoutez, sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait vraiment plaisir. On monte doucement, mais on monte comme d'habitude. Et ben bah voilà, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.